Bonjour à toi, chers spectateurs. 90s ou Mid-90s de Jonah Hill est un film que j'attendais depuis quand même un petit paquet de temps parce que Jonah Hill, c'est un acteur que je suis depuis un bon paquet d'années, dont je suis vraiment fan du travail et de l'évolution en tant qu'acteur parce que ce mec-là est quand même passé de super grave au Loup de Wall Street en un claquement de doigts quasiment. Pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération en termes de comédie, mais pas que. Et son passage derrière la caméra, ben, il a mis du temps à débarquer en France, franchement. Et quand je dis du temps, c'est pas qu'un petit peu, hein. Ça va faire quasiment un an que j'attends la sortie de ce film parce que ça fait un an qu'il est sorti aux États-Unis. Le résumé pour faire simple, Stevie a 13 ans. Stevie est un jeune garçon un peu perdu qui ne parvient pas à trouver grâce aux yeux de son grand frère et que sa mère protège un peu trop. Lorsqu'il se rapproche d'un groupe de skateurs, il va vite commencer à découvrir la vie et les affres de celle-ci. Et j'aime ce film. Et bien au-delà, je pense, de simplement aimer ce film, j'en suis quasiment fan. Je trouve que Jonah Hill vient de livrer un premier long métrage tout simplement bouleversant. C'est clairement un film qui se range dans la catégorie film d'auteur, que ce soit par son format, par son sujet, par la manière avec laquelle il le fait, mais je trouve que Jonah Hill propose un vrai parti pris de mise en scène qui prend totalement aux tripes et qui, au-delà de prendre totalement aux tripes, dégage une émotion mais d'une sincérité de chaque instant qui, moi, m'a totalement transporté. Je ne saurais pas vous dire comment il a fait, mais vraiment, il y a une crédibilité, une puissance émotionnelle, une justesse dans la manière d'amener les différents événements et dans la manière de construire l'entièreté de son récit qui sonne comme très anecdotique, voire limite par moments très simple. C'est pas un film qui veut être romanesque, rocambolesque ou qui veut en faire des caisses, qui veut être épique. C'est simplement une petite chronique qui se passe au milieu des années 90. Et ça ne cherche pas à être grand-chose de plus. Et moi, rien que pour ça, quand un film a un parti pris comme ça, moi je ne peux qu'aimer ce film. Et là, j'aime vraiment ce que Jonah Hill a fait. Tant plus que, en soi, j'attendais vraiment le film, comme je l'ai dit, mais je l'attendais quand même avec quelques réserves, parce que les acteurs qui passent derrière la caméra, franchement, on peut attendre tous deux, comme ça peut donner rien du tout. C'est toujours intéressant de voir un acteur passer derrière la caméra, même si, comme je l'ai déjà évoqué, il y a cette idée qu'il puisse s'avérer être un fantastique directeur d'acteurs, mais un metteur en scène qui ne sache pas exactement comment créer une image et une histoire assez marquante pour le spectateur. Heureusement, Jonah Hill possède un petit peu de tout ça, et clairement, c'est en cela que son premier long métrage s'avère être une petite perle, un moment de cinéma tout simplement lumineux, une œuvre puissante et extrêmement simple sur la vie, sur la jeunesse, certainement sur sa jeunesse, mais surtout sur la jeunesse d'un tout à chacun superbe qui puise toute sa force dans le ressenti que le spectateur va dégager d'une œuvre simple mais terriblement évocatrice. En termes d'écriture, moi je trouve que Jonah Hill, il a réussi à dégager quelque chose de très fort au sein de ce script. C'est pas un scénario qui a envie de nous plonger totalement dans la psyché de son personnage central, comme c'est souvent le cas dans ce genre de petits récits intimes. Ce qui est très intéressant, c'est que ce jeune homme est très épuré dans sa composition. Jonah Hill a essayé de faire en sorte que ce soit un personnage auquel on puisse se rattacher facilement et en même temps sur lequel on puisse avoir un certain recul. Il a envie, je pense, très honnêtement, de faire une thérapie autour de lui, parce qu'à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce petit gamin, ça soit lui au milieu des années 90, ça serait à peine étonnant. Mais bien au-delà de ça, je trouve qu'il y a une vraie sincérité dans la démarche, parce que on sent que ce film a envie avant tout de nous plonger dans une ambiance, de nous plonger dans une époque, de faire en sorte qu'on se rappelle un petit peu au milieu des années 90, bah, ce qui a pu faire la puissance de cette époque-là, parce que c'était une période très charnière, une période qui à la fois était incertaine, parce que c'était l'arrivée bientôt du nouveau millénaire. En même temps, c'était tout simplement une époque où il se passait beaucoup de changements, que ce soit géopolitique, que ce soit sociétaux. C'est tout ça qui se trouve au sein de son film et au sein de son écriture, et en même temps, finalement, rien de tout ça. C'est vraiment fascinant de voir à quel point Jonah Hill, il a envie de mettre un petit peu de contexte, de rappeler que c'est une époque charnière, de rappeler qu'on est dans un moment où il y a un point de bascule, et en même temps, il n'a pas forcément plus que ça envie d'appuyer sur ça. Il a simplement envie de montrer que c'était une époque où le but, c'était un petit peu de s'évader, de se dire que bah, on savait que ce qui allait arriver devant nous était très incertain, et pour autant, est-ce qu'on devait voir l'avenir comme étant noir, comme étant sombre? Bah, pas du tout. Et c'est ce qui ressort en fait de son écriture. C'est une écriture qui est extrêmement lumineuse dans sa manière de regarder les personnages et surtout dans sa manière de se composer en tant qu'histoire. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point Hill ne cherche pas à en faire trop, mais au contraire,
épure le plus possible son récit de tout rocambolesque, de tout romanesque inhérent un peu à ce style d'écriture et de composition de personnages, et ainsi ressort de tout cela la sensation qu'il s'agit d'une œuvre atypique. Un scénario émouvant et sincère, puisant un message sur la jeunesse et sur la découverte de soi, une grande ode extrêmement ludique et tendre sur l'innocence que l'on choisit de conserver malgré les affres de la vie. Et en cela, l'auteur puise tout ce qui fait la force d'un beau scénario, mais également d'un scénario qui sait à quel point puiser dans la réalité peut être touchant et simple. En termes de mise en scène, Jonah Hill, alors c'est pas forcément que le film est hyper inventif en termes de mise en scène. Je trouve pas forcément que ça soit le cas. Il y a des gimmicks, il y a des réflexes, il y a des petits instants où la mise en scène du cinéaste est vraiment marquée. Mais pour autant, je trouve que c'est encore en mutation. Pour autant, est-ce que ça plombe le film? Pas du tout. Au contraire, ça lui apporte, comme dans l'écriture, une certaine sobriété qui permet à l'ensemble de sonner comme étant quasiment brillant et magistral même par instant, parce que par cet intimisme, par cette sincérité de mise en scène, par cette envie de ne pas en faire trop, d'avoir une patte marquée mais pas tant que ça, Jonah Hill arrive à se confondre un petit peu avec une espèce de masse de cinéma d'auteur, aux États-Unis en tout cas, et ça fait que son film a une identité. Malgré le fait qu'il se cherche encore en tant que metteur en scène, ça crève les yeux, c'est évident, il y a une identité. Il y a une identité qui fait que le film a une vraie esthétique, a une vraie force, a une vraie forme. Et que nous, en tant que spectateurs, on arrive à se plonger dans ce récit et à se dire « j'arrive à m'identifier à ces personnages ». Au-delà de ça, il y a un très joli travail des ralentis, il y a un très joli travail de la symétrie dans le cadre, il y a des plans qui sont filmés en milieu de route où il descend en skateboard au milieu, je trouve ces plans absolument magiques. Il y a des ralentis qui sont très très bien sentis par moments, qui donnent lieu à des petites scènes qui sont vraiment marquantes. La manière avec laquelle il filme les fêtes, honnêtement, c'est assez génial de voir à quel point il prend l'antithèse de Supergrave pour créer quelque chose de vraiment simple, de vraiment... en même temps très inventif, en même temps très classique. Moi, je trouve ça absolument génial, cette séquence de soirée où on a des pops de montage qui arrivent au moment où il y a les beats de musique. C'est juste fou parce que ça semble très simple, ça semble très anecdotique, voire limite très classique comme réflexe. Mais la manière avec laquelle c'est fait, je trouve ça très inventif. Et puis au-delà de ça, on va avoir tendance à catégoriser le film comme faisant partie d'un cinéma d'auteur, ce qui en soi assez justifié, mais ça réduirait un petit peu le champ des possibles de ce film. Il est un peu simple de catégoriser le long métrage du jeune cinéaste comme étant un film d'auteur, mais force est de constater que de nombreux choix de Hill s'avèrent être des choix de cinéma d'auteur pur, que ce soit ce cadre, ses choix de mise en avant des personnages, cette manière de créer une empathie profonde. Mais ce qui pourrait sonner comme étant un défaut ne l'est jamais aux yeux du spectateur, ce qui donne lieu à un beau moment de maîtrise cinématographique, mais surtout de justesse de composition d'un cadre que Jonah Hill possède totalement par le biais d'un besoin de créer une véritable et profonde empathie envers ce jeune homme, chose qui se fait assez facilement, heureusement pour nous. En termes de casting, alors déjà, je tiens à citer les deux jeunes de la bande que sont Nakel Smith et Olan Prenak, qui sont vraiment très très bons tous les deux. Leurs personnages sont un petit peu clichés, ils ont tendance à être en surjeu, notamment Olan Prenak, mais je les trouve vraiment bons. Après, Catherine Waterstone, honnêtement, j'arrête pas de la défendre depuis que je l'ai vue dans Inherent Vice. Mais Lucas Hedges, là, pour le coup, lui, m'a complètement renversé parce que ça va faire le troisième film que je joue avec lui en un laps de temps extrêmement court. Et je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures performances qu'il ait livrées à ce jour parce qu'il n'est pas dans le même rôle que les deux précédents métrages dans lesquels je l'ai vu. Et là, je le trouvais vraiment bouleversant. Mais après, ça vaut quasiment rien parce que Jonah Hill a réussi à trouver le meilleur jeune acteur possible pour porter son long métrage. C'est fou d'arriver à trouver de jeunes acteurs aussi talentueux, mais il est indéniable que Sonny Siljik est un talent en puissance, un jeune acteur tout simplement hallucinant de justesse qui emporte tout le film de tout son long. Et c'est même pas représentatif d'à quel point j'aime ce film. Bien au-delà de l'attente, je le trouve vraiment fantastique, je trouve qu'il est maîtrisé de bout en bout, je trouve qu'il a une énergie, une puissance cinématographique et une sobriété, une sincérité qui font que tout ça forme une espèce d'équation qui a une logique complète lorsqu'on arrive à la fin du long métrage. Je trouve ce film vraiment réussi de bout en bout, et rien que pour ça, 90s de Jonah Hill, je vous le conseille très fortement en salle. Je sais que c'est une semaine où le film va certainement se faire bouffer à cause d'une grosse sortie, mais honnêtement, si vous avez moyen de le voir en salle, foncez, vous le regretterez pas une seule seconde. À plus.